Donc ce filtre-là utilise deux types de normes. Le quasi-linéaire, actuellement il est connu sous l'acronyme RULU, et logique neurone, et vous voyez que la fonction d'activation, cette fonction est la dérivée de l'autre. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au début des années 90, on ne sait pas faire l'apprentissage d'un réseau qui est profond. On avait des problèmes pour ça. Donc, l'idée c'était quoi? Faire de l'apprentissage, mais implicite et non pas explicite. Donc, pour moi, les deux noms, c'est comme une source de connaissances, deux sources de connaissances. Chaque source de connaissances, il a des entrées. Il peut accepter d'autres connaissances venant d'autres neurones. Et donc, ce neurone-là, cette source de connaissances, va générer une nouvelle connaissance. Donc, si bien sûr, cette connaissance-là est supérieure à un seuil, donc il va la faire sortir, va générer une connaissance. Donc, dans un réseau, il y a plusieurs, donc dans un réseau, il y a plusieurs sortes de connaissances. Donc, on construit ou bien des connaissances. Il y a aussi un autre neurone qui va juger de la validité de cette connaissance-là. S'il est valide, il va lui donner une récompense 1, sinon, il va lui donner une réponse 0. Donc, c'est un apprentissage implicite et non pas explicite. Donc, vous voyez sur cet historique-là, nous étions le premier à définir le, disons, le casinier qui est maintenant RULU. Bien avant Gegel et Gonta en 2010. Juste pour donner une idée donc, de l'historique de le quasi-linéaire. Donc, avant, il s'était appelé quasi-linéaire, mais non pas RULU. Voilà. Donc, juste, je ne vais pas détailler. Donc, ça, c'est juste les composantes qui nous permettent de réaliser les deux grands modules de notre filtre. Si vous constatez là, donc ce réseau-là, ou bien ce réseau-là, donc ils sont construits à partir des neurones logiques à seuil, et les pas sont fixes, soit moins 1, soit plus 1. Vous allez voir pourquoi moins 1, plus 1. Pour l'implémentation, pour la réalisation physique. Donc le moins 1, c'est pour les gens qui font de l'électronique, c'est un inverseur. Le plus 1, c'est un suiveur. Donc la réalisation analogique, ça revient plus facile à l'aide de la technologie VLC. Et la large scale est tout égale. Donc, ça, ce sont des modules aussi juste pour avoir le order network. Ça, c'est le réseau de sélection, comme on l'a réalisé. Mais globalement, on a notre filtre d'ordre statistique. Ce qui est intéressant ici, de constater qu'il y a seulement 11 couches. Le nombre de couches ne change pas avec la taille de la donnée. Autrement dit, le temps ne change pas, le temps reste constant. Donc, le temps de traitement, ou bien le temps ad-hoc, c'est 11 fois le temps de traitement d'un seul neurone. C'est-à-dire, si un neurone. Pour 1 nanoseconde, donc 11 nanosecondes. Quelle que soit la taille de la donnée, le temps de traitement ne change pas. On va avoir l'ordre qu'on veut à l'extérieur, à la sortie de notre filtre. Donc, à l'aide de ce filtre-là, je peux constituer le tri. Et vous connaissez que. Vous savez tous que les tâches effectuées par les machines programmées sont, dans la plupart des cas, composées par des fonctions qui utilisent le tri. Si on arrive à réaliser le tri en tête avant-terre, en temps fixe, donc on va accélérer davantage le traitement des machines. Et surtout, ce module-là, on peut les réaliser matériellement. Donc l'amélioration des temps de tri de façon à ce qu'ils soient indépendants de la taille des données permet à ces machines-là, en utilisant bien sûr le réseau de tri comme accélérateur de calcul, de réduire considérablement le temps de traitement et d'améliorer par la suite leur efficacité et leur puissance de calcul. Voilà, maintenant, une fois que nous avons les filtres, le tri, on peut concevoir un classifieur. Ce classifieur, il est basé sur la technique, minimum distance classifieur. Donc, c'est quoi le minimum distance classifieur? Donc, déjà, on a, supposons que nous avons un problème avec L-classe. Chaque classe, il a une référence, un vecteur référence. Donc, une donnée quelconque, X, je la compare à toutes les références. Donc, je dirais que la classe de X est TJ si X est le plus proche de TJ parmi toutes les références. Et cette distance-là que nous avons utilisée est infinie. Vous allez voir, c'est la plus générale parmi toutes les distances utilisées. Donc, voilà. Donc, je donne l'architecture un petit peu, parce que ici, donc, vous voyez le transference network. Le transference network, c'est celui-là. Donc, on réalise comme ça. Donc, comme vous remarquez, donc, il y a seulement 19 couches.
C'est autrement dit, le temps de traitement de classifier, c'est 19 nanosecondes. C'est-à-dire qu'il est indépendant de la taille de la donnée. Même si la taille de donnée augmente, le temps de traitement reste toujours constant. Maintenant, on sait faire des filtres. On sait faire un classifier theta 1 taille. Les filtres theta 1 taille. Donc, vous allez voir, on peut faire la conception de CNN theta 1 taille. Ce qu'on va essayer, donc avant de faire la synthèse de convolutional neural network, j'aimerais donc les réseaux de neurones convolutifs sont à nos jours les modèles les plus utilisés ou bien les plus performants pour classer des images. Donc, désignés par l'acronyme CNN, de l'anglais convolutional neural network, ils comportent deux parties bien distinctes. Donc, la première partie, convolutive, donc c'est pour l'extraction des caractéristiques, et la deuxième partie, elle est entièrement connectée, donc cette sont des neurones entièrement connectés, pour la classification. Donc nous, si on arrive, donc on a déjà les filtres, on a déjà le classifier theta 1 taille. Donc en combinant les deux, on peut faire la synthèse d'un CNN theta 1 taille, sans passer par l'apprentissage classique. Donc voilà. Juste pour vous donner une idée, donc c'est-à-dire vous voyez que la partie convolutive, donc elle est constituée par une succession de filtres. Hein. En modifiant les, vous allez un filtre, c'est en réalité c'est une matrice, et les éléments de cette matrice-là sont les coefficients du réseau. Donc en jouant sur ces coefficients-là, on modifie ce que ce filtre-là peut générer ou peut détecter. Puis, par la suite, on a le code CNN, c'est-à-dire le code associé, oui, à l'image. Donc, c'est-à-dire c'est une abstraction, ça, c'est une abstraction de l'image. Généralement, c'est un vecteur unidimensionnel, qui va être présenté par la suite à la deuxième partie, qui est en réalité, c'est un classifier. Donc, la deuxième partie, ou bien le deuxième, donc c'est... On a le code, on le présente au classifier. Le classifier, donc, vous allez voir que l'entraînement de cette partie-là nécessite beaucoup de temps. Énormément de temps. Donc, généralement, vous utilisez dans les bibliothèques, mais ce sont pré-entraînés. Ce sont des pré-entraînés. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est déjà configurée. Il vous reste seulement faire un passage d'apprentissage pour raffiner un petit peu les paramètres. Donc, j'en viens ici donc pour la synthèse de CNN. Comme vous savez, donc j'ai tous les filtres nécessaires appliqués à l'image de ce matin. Donc, je vais faire d'autres statistiques, je vais faire d'autres comparaison et sélection. Et donc, je peux avoir mon code CNN. Je vais présenter à mon classifier aussi de ce matin. Et donc, par la suite, j'aurai la synthèse du CNN de ce matin. C'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez, donc 11 nanosecondes plus 19 nanosecondes, ça fait 30 nanosecondes, quelle que soit la taille de la donnée. Donc, juste pour vous donner une idée, donc, même ces deux types de neurones, qui sont le linéaire, c'est-à-dire le quasi-linéaire, ou bien le lu, ou bien le trichelot, on peut le réaliser physiquement ou bien analogiquement. C'est deux représentations, ou bien deux réalisations de ce type de neurones-là. Donc, avant de se lancer dans la suite, j'aimerais bien définir c'est quoi l'apprentissage artificiel. Donc, l'apprentissage artificiel est, vous connaissez, la branche principale de l'IA. Donc, il se base sur deux principes. Le premier principe, donc, comprend qu'un comportement intelligent est très complexe de le simplement programmer. Le deuxième principe, il faut que le système apprend ce comportement intelligent à travers des données. Donc, l'intelligence, ou bien, si vous voulez, l'apprentissage artificiel est basé sur ces deux principes-là. C'est-à-dire que un comportement intelligent n'est pas aussi simple pour le programmer, et le système doit apprendre, ce système-là doit apprendre ce comportement à travers des données. Donc, le système qui a cette capacité d'apprendre, ce comportement intelligent est tout simplement appelé modèle dans le contexte. Donc, et le processus à partir duquel on fait apprendre à ce système, à ce modèle-là,
ce comportement à travers les données, on appelle ça, c'est l'algorithme d'apprentissage artificiel. Donc vous allez voir que l'apprentissage artificiel, le problème d'index, peut être modélisé sous forme d'un problème, être posé sous forme d'un problème d'optimisation, dont le but est de minimiser une fonction perte. Mais sachez qu'on peut utiliser aussi l'apprentissage au profit de l'optimisation. Parfois, on a des fonctions qui sont très complexes. Donc, on peut utiliser l'apprentissage pour avoir une idée sur la topologie de la fonction. C'est-à-dire, comme ça, éviter les minima locaux. Et bien positionner ou bien initialiser notre problème. Donc, il y a deux grands types, il y en a plusieurs, trois ou bien quatre, c'est-à-dire il y a l'apprentissage par renforcement, mais ici, donc, l'apprentissage supervisé contre l'apprentissage non supervisé. Donc, formellement, c'est quoi l'apprentissage supervisé? Donc, c'est non supervisé, c'est dire quelque chose d'intelligent sur la probabilité de X des données. Et non supervisé, c'est plutôt supervisé, c'est essayer de dire quelque chose d'intelligent sur la probabilité conditionnelle du Y sachant X. Donc, dans l'apprentissage non supervisé, les données sont traitées dès le départ, ou les variables sont traitées sur le même pied d'égalité. Donc, la question est posée comment ils sont organisés, ou bien une idée sur comment ils sont disposés dans l'espace. Donc, un autre résultat théorique qui confirme le résultat expérimental dû aux deux mathématiciens suédois, donc Hastad et Goldman, puisqu'ils disent donc si j'ai un réseau avec des couches, n neurones répartis sur des couches, je peux ce neurone-là approxime une fonction quelconque. Donc si je retire une couche, au lieu d'avoir des couches, je vais avoir seulement des moins 1. Donc pour approximer la même fonction, j'aurais besoin de 2 à la puissance n neurones pour montrer qu'on voit que le manque de la profondeur elle est très très nuisible pour le pouvoir de séparation. Donc ce qui justifie que pourquoi on fait appel à la profondeur, à l'architecture profonde et tout ça. Donc les conditions ayant permis l'émergence des réseaux profonds, c'est la disponibilité d'un très grand nombre de données, jeux de données, disponibilité d'une capacité de calcul faramineuse du GPU et nouveaux modèles d'apprentissage très flexibles avec a priori donc permettant de bien gérer la malédiction de la dimensionnalité. Donc par la suite, je vais parler de la première percée des réseaux de neurones. Donc, avant 2006, les tentatives d'entraîner des architectures profondes avaient échoué. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'on a vu qu'un réseau, c'est-à-dire un réseau avec une seule couche cachée, n'est pas assez visible. On doit avoir vers les architectures profondes. Mais on a un problème pour apprendre des couches profondes, c'est-à-dire des architectures profondes. Donc, avant 2006, on avait vraiment un problème. Au-delà de 2006, on va voir pourquoi ça marchait avec les architectures profondes. Avant 2006, donc les tentatives d'entraîner, j'ai dit, les architectures profondes avaient échoué. Un réseau de neurones supervisé, c'est-à-dire avec un réseau supervisé non récurrent, profond, donnait de moins de bons résultats en erreur d'entraînement et en erreur de test que des réseaux moins profonds, c'est-à-dire seulement avec une ou bien deux couches cachées. Donc, trois articles publiés en 2006 ont changé le destin des réseaux de neurones, dans le sillage des travaux, par exemple, de Hinton et sur les Deep Belief Networks. Donc, ces trois travaux. Donc, ces trois travaux-là, ces trois articles et ces trois travaux utilisent trois principes clés suivants. Donc, un apprentissage non supervisé, au départ, pour le pré-entraînement, vous allez voir pourquoi, puis suivi d'un apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage se fait en deux temps, en deux phases. Non supervisé, puis supervisé. Vous allez voir que le non supervisé, ça permet de positionner le réseau, ça peut positionner les paramètres, tout près du minima global, l'effet de ce non supervisé. Donc il y a deux écoles là-dedans pour faire effectuer de l'apprentissage non supervisé. Il y a le KEN, le fait à travers des filtres, et
Giga Control le fait à travers des auto-encodeurs. Bon, bon, je vais expliquer davantage comment il fait le non-supervisé à partir des auto-encodeurs. Donc, comme j'ai dit, il y a trois principes de base. Donc, l'apprentissage non supervisé de représentation est utilisé pour pré-entraîner chaque couche. L'apprentissage non supervisé se fait une couche à la fois. D'accord ? Chaque couche entraînée après la couche précédente et la représentation apprise pour, par une couche utilisée comme entrée pour la couche suivante. Donc, puis, on fait une phase pour terminer l'apprentissage supervisé, utilisé pour raffiner toutes les couches pré-entraînées. Aussi, même la couche de sortie, parfois on ajoute deux ou bien trois couches, vous allez voir vers la sortie, pour réaliser soit la classification, soit pour réaliser la conversion. Bien, donc là, pour expliquer davantage le Deep Behavior Neural Network, donc j'ai une donnée. Généralement, c'est une image de ce que vous voulez, elle est présente sous forme d'une matrice. Donc, je vais la compresser, je vais avoir une forme compressée de X, encore la compresser, je m'arrive à une forme très abstraite. Et cette forme-là qui est abstraite, qui est proposée à la deuxième partie, qui va la convertir en label. Et donc, c'est cette phase-là, c'est non supervisé. Et donc, vous allez voir que la conception de ces couches-là se font d'une couche à une autre. Donc, je vais expliquer ça davantage sur cet exemple-là. Donc, au départ, j'ai montré. Voici la version, la première version abstraite de l'entrée. Et là, je mets l'entrée. Et donc, on va faire un apprentissage pour régler, pour trouver des paramètres qui permettent de voir, de reproduire, hein, une fois que j'ai compressé l'entrée, est-ce que cette forme compressée ou bien cette forme abstraite est-ce que je permets de reconstruire l'entrée ou pas. Une fois qu'on a fait l'apprentissage de cette couche-là, donc je vais éliminer ça, je garde ça. Donc j'ai l'entrée et une représentation abstraite de l'entrée. Maintenant, pour la deuxième phase, j'oublie l'entrée, je vais utiliser la première abstraction comme entrée, donc, et je vais avoir une autre forme plus abstraite de la première forme, de la même technique. D'accord ? Donc, voici, ça c'est la première forme abstraite que j'ai mis ici. Et donc là, c'est la forme la plus abstraite. Et je calcule ça, donc les poids qui permettent de faire ça. Et par la suite, donc je vais oublier ça. Et je garde, j'ai quoi ? J'ai maintenant l'entrée, la première forme abstraite et la deuxième forme plus abstraite. Ainsi de suite. Le lien suffit d'une couche à une autre. Jusqu'à arriver à la forme la plus abstraite possible. Donc, je l'utilise. Donc, ça, c'est une représentation de mon entrée ou bien de ma donnée. D'accord ? Puis, je fais après, maintenant, l'apprentissage supervisé avec les données labellées, hein, pour pouvoir faire l'apprentissage supervisé. Donc, tout se fait à cause de quoi ? À base de cet algorithme-là, hein, la rétropropagation de l'erreur. Donc, sachez que cet algorithme-là est sur quatre limites. La première limite, c'est l'initialisation aléatoire des poids. Cette initialisation, donc, ça ne permet pas de se positionner tout près de l'image de l'ordre, pour contenir l'attraction ou la basse interaction de l'image de l'ordre. Vous allez voir qu'un autre problème, c'est le problème de vanishing. C'est-à-dire qu'on utilise la valeur du gradient. Il y a une définition récordable du gradient. Et donc, cette valeur de la limite, il diminue au fur et à mesure lorsqu'on fait propager l'erreur vers là. Et donc, et du coup, les couches basses au voisinage de la couche d'entrée sont les couches les plus importantes qui permettent de faire l'extraction des données. Donc, ils ne sont pas bien entraînés. Vous allez voir, donc, cette couche, si je pars d'une valeur du gradient d'élément 10, en gros, de 10 couches, j'arrive à 10-15. Suppose que vous avez 11 couches ou bien 100 couches, donc vous arrivez au zéro machine. Donc, c'est-à-dire que les couches basses ne sont du tout corrigées, rien ne va plus. Donc, il y a un autre. Le premier problème, c'est le choix de l'habitat d'apprentissage. Donc, si je choisis trop petit, je vais ralentir l'apprentissage, je vais ralentir la vitesse. Si je suis trop grand, donc il y a des oscillations.
Il doit tomber sur le bon paramètre, la bonne valeur, c'est pas évident. Ok, il y a ce problème-là. Le deuxième problème dont j'ai parlé, c'est ça, le problème d'affaiblissement de la valeur du graphique. Donc, on imagine que vous avez un graphique de 10, au bout de quoi, sur nos 5 couches, vous voyez que le diamètre disparaît. Et ces couches-là, donc, elles sont plus rapides ou bien corrigées, les couches-là. Et donc, et du coup, et ces couches-là sont les plus importantes qui nous permettent d'extraire les axes les plus importants qui viennent du niveau plus bas, donc sur lequel construire le motif de début. Cela dit, il viendra donc partie aux fonctions d'activation utilisées. Donc, on va sur la limite de cette fonction-là, donc vous voyez bien, elle est très très faible, et on retrouvera donc encore davantage de milliers et de milliers et de milliers. Il y a un autre problème, c'est le goulot d'étouffement de Van Neumann. Donc, généralement, les résonances sont organisées en couches. Le traitement est purement parallèle. C'est une unité de calcul simple, et donc le traitement retourne parallèle. Il n'existe pas beaucoup de calcul, mais il existe un appel à la mémoire. Supposons que j'ai un réseau avec, comme tout à l'heure, vous voyez, 100 millions de paramètres. Je vais stocker au bout de la mémoire. Pour les corriger, je vais appeler à la mémoire. Les corriger, évidemment, à la mémoire. Donc ce va-et-vient vers la mémoire qui va, quoi, qui va gêner les performances. Parce que les machines qu'on connaît maintenant sont sur le principe de Van Neumann-Turing. Vous avez le calcul, puis vous avez le manque de mémoire. Et donc ce va-et-vient vers la mémoire qui va empêcher, qui va gêner le déroulement de l'apprentissage, qui va ralentir davantage l'apprentissage. Même avec les GPU, leur nombre est limité. Supposons que j'ai par exemple, je ne sais pas, il y a même des réseaux avec des milliards de synapses ou bien de paramètres à corriger. Chaque itération. Comment je vais utiliser du GPU? Leur nombre est réduit. Donc la taille du réseau il dépend maintenant du nombre de GPU. Voilà, donc. Pour pallier à tous ces problèmes-là, donc nous, on propose un nouvel algorithme. Vous allez voir que parce qu'il est parallèle, distribué. Donc, chaque couche est associée à un système dynamique. Du coup, tout le réseau est vu comme une succession de systèmes dynamiques. L'entrée de l'un est là, l'entrée de l'un est la sortie de l'autre. Et donc, en associant à ça, donc vous avez autre chose. Donc ça ne se voit pas ici, donc il y a un petit problème. Vous voyez que la sortie, c'est la sortie du neurone, c'est la sortie désirée. Vous voyez comment le problème est posé. Donc la sortie du réseau, c'est la sortie désirée. On lui apporte la sortie. Donc, la procédure d'apprentissage est mathématiquement formulée de la manière suivante sur un problème d'optimisation. Donc, ça c'est pour la régulation. Hein. Et on a trois contraintes d'égalité. Donc, ce que le plus important pour moi, vous voyez que la sécurité est imposée. Donc, la résolution de ce problème-là est divisée en deux niveaux, hein. Non de façon quelconque, mais de façon à obtenir une forme séparable, ou bien une forme séparable au niveau inférieur. Donc, ce qui permet le traitement en parallèle de ces équations-là. Donc, vous voyez, là, on a un parallélisme à grain fin. Donc, il n'y a pas plus de rétropropagation de l'erreur. Donc, je corrige tout, oui, il y a un niveau coordonnateur qui va faire un petit calcul pour savoir est-ce que les paramètres bien détaillés sont. On a atteint ou pas la convergence. On va voir par la suite que la convergence de cette méthode-là dépend de la convergence du niveau supérieur. Vous allez voir qu'aucune condition du niveau supérieur converge aussi. Donc il est basé sur deux théorèmes, donc déjà publiés en 2014 et 2000. Donc sur la convergence ou bien la convergence de cette méthode est basée sur deux théorèmes qui disent que la convergence de la méthode dépend de la convergence du niveau supérieur,
Et lui aussi, pour converge, à retenir ses latas, c'est la vitesse d'apprentissage équivalent de l'autre algorithme de la propagation de l'erreur. Ici, on a quoi ? On va ajuster à chaque itération, on va ajuster le lambda. Ce qui permet de. Accélérer la convergence. À prendre conscience de certaines limites de l'intelligence artificielle et notamment de sa pointe la plus avancée des systèmes experts. Du fait de leur capacité d'apprendre à partir de données non structurées, les réseaux de neurones semblent en effet, à mon avis, apporter une solution idéale aux problèmes souvent rédhibitoires du coût de l'acquisition et de la maintenance de l'expertise. Mais pour moi, les réseaux de neurones souffrent de deux problèmes, à mon avis. Donc les réseaux de neurones n'arrivent pas à expliquer leur comportement. Aussi, les réseaux de neurones ne savent pas résoudre un problème qui ne fait pas intervenir la classification. Mais tous les problèmes, hein, classification de données. Autre chose, donc en définitive, c'est en frottant, en se frottant à l'industrie que cette technologie naissante trouvera son identité et sa légitimité. L'industrialisation d'application des réseaux de neurones pose un certain nombre de questions auxquelles on ne sait pas encore répondre. Devra-t-on utiliser un matériel spécialisé ou pas ? C'est la première question qu'on doit répondre à cette question-là. Si oui, sera-t-il analogique ou digital ? Dédié à l'algorithme ou général, à 5 ans. Et comment ce matériel coopérera-t-il avec les programmes classiques sur des machines conventionnelles? C'est pourquoi, dans le premier travail que nous avons fait, on a proposé des hybrides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la transition d'un seul coup. Déjà, un matériel qui peut être incorporé dans des machines programmables. Par la suite, on va évoluer les machines et neuronale bien analogique. C'est-à-dire, autrement dit, il faut développer toute une arithmétique qui est équivalente à l'arithmétique. Voilà, et sur ce terme, je vous propose.